Allez. Bon, j'ai un build très moyen, hein, mais... on va voir. Non, pas que ça me touche, non! Pourquoi ça n'a plus. Pourquoi je fais plus de dégâts? Ah. C'est quoi, il éteint les flammes ou les flammes s'allument ou... Putain, par contre il a de la vie là, putain. Gros sac à PV là. Je sais pas d'où ça me touche, mais... Mais putain, mais c'est... C'est quoi ces portées, là? Mais hé... Je vais jouer un peu plus prudemment, je pense. Ah non, pas ça, non, faut pas que ça me touche, c'est de la merde. Ah, par contre, faut allumer la lumière là, mon gars. Encore les boules de chasse. Voilà. Bienvenue Cyclomotion. Cyclomotion qui vient pour la victoire. Bienvenue sur la chaîne évidemment. Comme ça, vous allez voir la fin du jeu. Ou peut-être qu'il va peut-être avoir des trucs en plus. On a mangé à Doudou, tu l'as vermi ou pas? Oui, j'avais mis un petit peu à manger. Ouais, je l'ai remis complète. Ouais, c'est bien. Alors, du coup, quand on bat le boss, on part à la tête de mort. Alors, oui, je pars à la tête de mort. Qui ressemble pas à une tête de mort, qui ressemble à un petit papillon. Les paysans vous en tirez bien dans votre quête jusqu'ici, malheureusement le normal s'arrête ici pour l'instant. Les architectes travaillent d'arrache-pied pour l'agrandir, mais votre travail est terminé pour l'instant. Entre temps, veuillez soulever cette pierre d'invocation, elle réinvoquera les anciens et leur donnera plus de puissance. Votre travail s'arrête ici, vous serez remplacé par quelqu'un d'autre, car ainsi va la vie. Voilà, donc on a une pierre d'invocation 2, voilà. Et puis, adieu. Après, franchement, j'ai plus galéré sur le premier boss que sur le deuxième et le troisième boss.